Hey, tout le monde, c'est quoi, Magus? Bienvenue sur Pro Cycling Manager 2019 pour la carrière Pro Cycliste, troisième saison. Quam 82 général. Donc voici ses notes, un petit quam, hein. Il progresse, il progresse, il progresse tranquillement. 15 juin 2021, c'est le Tour de Suisse aujourd'hui. Alors, j'aurais pu m'inscrire sur le Tour de France, car je suis niveau 17. Je pense que j'aurais pu. Ou pas. On sait rien, en fait. Voilà, oui, c'est ça. J'aurais pu m'y inscrire, mais je ne serais pas du tout en forme, donc je me dis, ça sert à rien de m'inscrire sur Tour de France. Je le ferai la saison prochaine. Car mon objectif après, c'est la Vuelta, moi. Hein, voilà, clairement. Après le Giro, il y a la Vuelta que j'aimerais bien remporter. Donc le Tour de France, ce sera pour la saison prochaine. Le Tour de Suisse, donc, avec un petit chrono que nous ne verrons pas, et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que nous allons voir comme étape. Le Tour de Suisse est là. 9 étapes, hein, quand même. Alors, non. Alors, non. Non. Oui, une. Alors, ça, c'est que c'est en montagne, parce qu'il y a hors catégorie, ok, mais après, c'est que de la mer, donc peut-être deux. Bon, allez. 3, oui, bien sûr. 4, oui, bien sûr. Non. Et non. En 4 étapes, 3 ou 4, je verrai. Ça va dépendre de mon humeur. Ça, c'est fini avec un dernier contre-la-montre classé en pleine avec une belle petite bosse là et après, ça fait redescendre. Donc, attention, attention, attention. Les maillots sont très sympas. Oui, j'aime bien regarder les maillots un petit peu des courses. Bref, bah, tout de suite, on se retrouve donc sur cette étape-ci qui finit en côte. Et nous verrons à ce moment-là quels sont les participants à ce Giro d'Italia. Mais qu'est-ce que je raconte, moi, Giro d'Italia? Mais n'importe quoi, quoi. Ferme ta gueule, putain. Non, pour le Tour de Suisse, tout simplement. Allez, à tout de suite. 15 km de l'arrivée sur cette troisième, quatrième étape du Tour de Suisse, comme 16e au général pour le moment. Et vous le voyez, l'équipe, moins 2, moins 2, 0, moins 2, moins 2, moins 2, moins 1. En gros, l'équipe n'est pas du tout en forme. À part Vermarque, mais bon, Vermarque ne m'a pas, ne pouvait pas trop m'aider, on va dire. Donc voilà, les moins 2 pleuvent à foison sur notre équipe, tant pis. Allez, on est parti pour la montée Villars sur Ollon. Alors, comme j'ai déjà dit, la Suisse, c'est un pays que j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que voilà, j'y suis allé plusieurs fois, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Bah, c'est sur le tour de Romandie, je suppose. Ouais, j'aime beaucoup ce pays, voilà. Le côté montagneux, le côté verdoyant. Les Suisses aussi, entre autres. Hein, j'ai connu, avant d'y aller en Suisse, j'ai connu plusieurs Suisses. Enfin, voilà, donc une petite histoire avec la Suisse. J'ai dit le mot Suisse 40 fois en 30 secondes, mais ce n'est pas grave, ça mérite. Non, mais c'est vrai que voilà quoi. Oh putain, Ben Hood qui se fait totalement tasser là. Du coup, il va en chier pour revenir me protéger. Tant pis. Oh ben ouais, il met son jet là. Tige Ben Hood. Et s'attaque avec Lopez. Lopez qui attaque. Les Movistar qui attaquent aussi maintenant. Carapace et Fuglsang qui est là. Egg. 7 km. Les derniers kilomètres sont beaucoup moins compliqué, vous le voyez, hein, c'est en vert. Hein, donc, Kreuzvik, non. Risbeek, je connais pas. Alors, certains rigolent du fait que je ne connaisse pas certains coureurs. Mais je ne peux pas connaître tout le monde. Et puis, bon, le vélo, enfin, le cyclisme, comme vous le savez, quand même, voilà, c'est plus trop ça, je ne m'intéresse pas vraiment. Donc, bon. C'est plus comme à une époque où voilà, je regardais toutes les courses. Ah, les uns sont en train d'en chier, je le vois, donc on en profite. Une petite attaque. Non, ça sert à rien vu que tout le monde est là. Hop, on s'arrête. Hop, on se remet dans les roues. Il y a 5 km. Bon, voilà. Ah, si ça attaque, non. Alaphilippe est là. Tout le monde se regarde. Champion du monde quand même, quoi. Ça fait plaisir de voir ce beau maillot champion du monde. Après, je vois quand même qu'ils sont un petit peu à la ramasse, les gars. Ah, le maillot jaune est là. Sam Omen de l'équipe Fastbulk. Les tracks sont là. Kamna, Dunbar. Oh, il roule fort, lui, là. Le leader Omen qui roule très fort. On va mettre son gel, le gel maintenant. Garen Thomas est là.
Bien amené par Sam. Ça me mène belle histoire, hein, bien sûr, hein, dans ma carrière que j'avais faite avec le Team Arcane Pro. Belle histoire hein, avec Sam Omen. Non, je suis pas mal là quand même. Là, on n'est pas. On va pas. Ouais. On n'est pas très bon. C'est parti pour l'emballage final. Allez, quoi? Non. Pouf. Ok, bon. Tant pis. Carapace et gagne Thomas. C'est mon fini dans le même temps normalement avec Lopez. Logiquement, on finit dans le même temps. Vu qu'on était un groupe de 4, logiquement, bah voilà. Ensuite, Kreuzvac 9e, Nibali 7e, Bardet 6e, Dylan Toons, Bob Jungels, un petit coucou à Maxi, vu si vous regardez cette vidéo. Kreuzvac, bien sûr, un petit coucou à Martin, hein. Toujours le même, hein, bien sûr, voilà. Hein. Fuglsang, coucou à Anatole, voilà. Thomas, coucou à Zartek, par exemple. Voilà. Si Zartek regarde cette vidéo, et ben, un petit coucou à lui, voilà. Bon, bref. Un petit coucou à tout le monde. Non mais chacun un petit peu à son coureur, voilà, donc de prédilection et tout. Donc bon bah moi, à force de les lire, je me dis ah bah lui, Voici voilà. maintenant les meilleurs moments de la course. C'est Luna qui m'a fait réflexion par rapport à Carapace. J'avais dit que c'était colombien apparemment lors de mon Giro. Il m'a dit non, il n'est pas colombien, il est vénézuélien. Et on m'a corrigé encore plus sur le Discord avec je ne sais plus qui, Kellel peut-être. Qui m'a dit non, il est vénézuélien, il est équatorien, donc au final, pouf, pouf, pouf. Bref, au général, quatrième Quamagus, 30 secondes. Du coup, j'ai fini dans le même temps, maintenant c'est bon. Allez, on va enchaîner directement. Médiocre, allez, c'est bon, on s'en branle. Mettre au niveau 18, hein, 30 points, donc c'est bon. Merde, ah, c'est pas ce que je voulais faire, bon, c'est pas grave. C'était pas ça que je voulais faire, je voulais voir le calendrier. Allez, dépêche-toi, allez, putain. Ljubljana, Ljubljana. Alors, du coup, celle-ci, je vais pas la montrer. Non, au final, c'est ridicule. Là, c'est fini sur du plat comme ça. En fait, voilà, c'est hors catégorie, ok, mais après, c'est du plat. Donc, bon. Prochaine étape, donc, ce sera celle-ci, là, qui est vraiment, elle, pour le coup, très intéressante. Donc, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce Tour de Suisse. 27 km de l'arrivée et ça roule, ça roule, ça roule. Vous voyez que mon équipe, moins 1, moins 3, moins 1, moins 3, moins 3, et plus de rose, plus 2 pour Quam, plus 2 pour Tige Benoît. Heureusement. Et le col est très très long, hein. 29 km à 5% de moyenne, certes, mais 29 km de montée. L'échappée devant sont 7 avec Woods et Gary Hamilton, Novak, Dunbar, Wellens et Frankini. Et avec une minute d'avance seulement, donc bon, malheureusement pour eux, il y a très peu de chances qu'ils puissent aller au bout. Il reste 15 bandes de montée encore. Ça roule fort dans le peloton là d'ailleurs, putain, c'est qui roule fort comme ça là? C'est Moric! Alors que ça attaque, je vais me faire bloquer, je le sens par le joueur mondial là. Hop. On essaye de l'esquiver. Bon. Ça attaque ou ça roule fort là? Ça attaque là carrément, le mec attaque à 15 bandes du sommet. Ok. Ok. Pourquoi pas, écoutez, j'allais vous dire, ils ont le droit d'attaquer s'ils veulent, hein, mais je vois pas trop l'intérêt. Il n'y a plus d'échappée en tout cas. Ça aura eu, pardon, le mérite d'annihiler l'échappée. On essaie de se replacer, hein, voilà. On va pas rouler, hein, non, 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 on va pas rouler. On sera pas juste devant pour être bien placé au cas où, mais on va pas rouler, ça sert à rien. Tige Benoît est toujours là, hein, 11 bandes de sommet. Et on peut presque dire de l'arrivée, parce qu'après c'est une grosse descente, hein, bien sûr, mais voilà. J'ai pas pris mon truc super leader là. Ah si, je l'ai pris, hein, donc ça pourra l'aider en fait. D'accord. Bon, on va le tester après. On va le tester même maintenant, tiens, on va voir. Alors qu'est-ce que ça fait toi? C'est sur de Poum! tels pourcentages que les plus Ça fait quoi? costauds peuvent creuser un écart. Ah bah vas-y. Ah non, d'accord, en fait. Oui, non, ça ne s'active pas en fait. Ok, ça surpasse, mais. Ah si, bah. Ah si, j'ai activé déjà. Ok, bah je vois pas trop le. Je vois pas trop à quoi ça sert en fait. Alors on m'a dit que c'était très utile, mais là, pour le coup, je vois pas trop. Je vois pas trop l'intérêt là.
Sérieusement, hein, je vous le dis comme ça, mais ils n'ont pas trop intérêt. On va reculer un peu avec comme là. On va réduire l'effort pour reculer un peu plus, parce que je vois pas trop. Mettons gel, mon petit tiche. Il reste 8 km encore de montée, attention, hein, le plus dur reste à venir. Mon cœur. Mon fils, bien sûr, toujours présent. Nous ne sommes plus que 19 dans ce petit peloton. Ah, mais surtout les grands favoris. Hein. Guggenhardt, des bons lieux. Mais ça attaque, attention. On reste vigilant. Putain, on reste vigilant, on se fait bloquer. Voilà, Tiche va sauter, hein, forcément. Il va pas pouvoir me m'aider encore plus longtemps. Ils sont bien partis là, les 4 de devant. On va faire une petite attaque, nous, juste histoire de décramponner un petit peu là les coureurs qui sont avec moi dans ce Il reste groupe. maintenant 15 km de J'ai course. pas envie de rouler pour eux réellement, donc voilà. Devant Lopez, Carapace, Thomas et Egg. C'est lui, Egg, hein. Ouais, le Danois. Allez, on revient tout doucement. Enfin, tout doucement. On revient, en tout cas, c'est le principal. Derrière, il y a qui? Guggenhardt. Okay. On va pas rouler, non, non, non. Les gars, bah, ça vous de rouler. Il reste 4 km encore. Attention, un leader est décroché. Je ne peux pas surprendre mes adversaires, donc du coup, bah, tant pis. Attention, ça rattaque là avec Egg. Encore une attaque, On va suivre peut-être son une chute attaque. décisive. Hop, on a de rouler. Ah oui, c'est pas à moi de rouler, hein. C'est au maillot jaune de rouler, hein. C'est pas à moi au final, hein. S'il veut partir, Egg, il part, hein. Tant pis pour toi, mon petit gars. Hein. Mettre mon gel, moi. Johan, doucement, attention. Oui, mon fils qui fait des bêtises. Allez, on essaie de les surprendre. Putain, ça surprend rien du tout. Allez, on en remet une. Putain. Ce coup-ci, on y va. Il me lâche pas, Carapace. Il ne me lâche pas. Hein. Et mon gel est là. Allez, putain. Me bloque pas, enculé. Pardon, excusez-moi. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Allez, on part à deux, là. Ah, bon, je suis dead, mais bon. On part à deux quand même. Allez, 45 secondes d'avance, 50 secondes maintenant. Ah, il va me faire niquer par lui, hein, je le sens. Tu roules pas, toi? Il roule pas, l'enfoiré. Putain, il veut pas rouler, hein. Ah si, il roule avec moi, mais je roule trop. Hop, on va réduire un Les peu coureurs l'allure. plongent dans la descente en Allez, c'est direction parti du pour la descente peloton. maintenant. Alors, viens voir un peu les stats de Egg. 72 accélérations. Bon, ça devrait être jouable. 40 secondes d'avance Il toujours reste moins de pour le petit, 5 km de nous course. deux. Allez, peut-être une victoire sur le Tour de Suisse. Ça serait pas mal, une dernière étape. On va le suivre, hein, Egg. Hop là, voilà. 39 secondes maintenant. Peut-être il est plus rapide que moi. Il est meilleur que moi à descendre, quoi. 73, ah ouais, si, quand même, ouais, si, il est quand même meilleur. On va se faire niquer, on va se faire niquer, je le sens. On va se faire avoir, parce que c'est les finaux des C'est le centres, qui ouais. va être le premier sur la ligne aujourd'hui. Bravo! Bien joué, Egg, mais 40 secondes de Il reprise, en semble tout cas, pas pour mal. Il a le, sur suffi le de la chute peloton. de ses compagnons d'échappée. C'est le La principal, course est voilà. jouée, mais les malheureux du jour Bien tiennent joué, encore. Niklas Comment tu Haig, roules? meilleur descendeur que Quam. Alors j'aurais dû avoir voilà, le petit bonus de technique qui nous permet d'avoir un petit bonus en descente. Si je l'avais eu, et ben voilà, mais je ne l'ai pas. Alors falloir qu'on m'explique quand même comment ça fonctionne réellement le super leader, parce que bon je l'ai mis sur Tiche Benoot. Alors certes Tiche Benoot, bon, c'est Tiche Benoot, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais quand même, je sais pas. Ah Johan, tu saurais m'expliquer toi comment ça fonctionne? Non, bah non. Toi non plus. Ah. Allez, on attend les retardataires comme d'habitude. Ta la 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 la. Alors, je ne prends pas le maillot, hein, car j'avais quand même 1 minute de retard hein, sur Garin Thomas, tout ça. Mais bon, on prend du temps, plus les bonifications s'il y en a. Je ne sais même Voici pas s'il y en a désormais d'ailleurs, les les bonifications meilleurs sur le Tour moments de de la Suisse. course. Bien joué, Niklas Egg, en tout cas, le Danois, que je ne connaissais pas du tout. Hein. Je tiens à vous le dire encore une fois. Voilà, je ne connais pas. 40 secondes, ouais. Je reviens à 35 secondes de Carapace. Meilleur grimpeur Quam Angus, ça c'est toujours bien. Meilleur jeune Quam Angus, c'est par équipe, c'est la Deceuninck.
Bon, il va être content là. Médiocre, deuxième. Il va se faire enculer, hein. Sérieusement, quoi. Non, mais faut arrêter les conneries. Hein. Mais c'est pas médiocre de finir deuxième. Hein. Ah, bref. On se retrouve tout de suite sur la septième et dernière étape de la vidéo. On se retrouvera à la fin car je pense que je vais passer niveau 18. Donc j'aurai est-ce que j'ai des. Qu'est-ce qu'il y a au niveau 18? Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Point d'expérience, ouais, non, mais on fout ça. Bon, bref. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur cette septième étape du Tour de Suisse. 18 km de l'arrivée sur cette septième étape du Tour de Suisse. Un petit zéro pour Kouam, avec un plus 3 pour Tijbenhout. D'ailleurs, j'en suis pas mal, hein, parce que forcément, Tijbenhout sur le plat. Ouais. 76 plus 3, forcément. Moi, sur le plat, c'est pas trop ma tasse de thé. Et ça a roulé bien fort, bien fort, bien fort. Très, très fort, franchement. Mais là, on est parti pour 14 km de montée à 9,6% de moyenne. Ça rigole pas. Ah ouais, non, non, là, ça rigole pas. C'est une grosse montée, là. Les Donc, Tige coureurs sont en Benot, position pour la et deuxième voilà. étape du Tour. Heureusement qu'il est en forme, d'ailleurs. Ça roule Sinon. vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton Allez, chute Tige, maintenant. reviens Il va me y avoir. protéger, s'il te plaît. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire Allez, car va gagner. fondre, hein, pour les échapper, bien sûr. Allez, hop, on se met sur la gauche de la route. Boum, toute mon équipe. Alors, encore une fois, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2. Bon, voilà, quoi. Déjà qu'ils ne sont pas super bons. Alors, en plus, si on leur met des notes de jour comme ça. Bref. Ça va être compliqué, là. Je sais pas. J'ai un 0 qui est quand même pas mal. Plus, hein, avec des petits plus 1, c'est cool. Mais le plat m'a tué, là. Une étape comme ça, où ça roule à fond, quasiment toute l'étape sur le plat, bah... Voilà. En même temps, voilà, j'ai que 67 en plat, attention, bien sûr, je ne suis pas un rouleur, pas encore, peut-être que je le deviendrai avec le temps. Mais c'est compliqué, et puis je sens que, ouais, non, je sens que c'est compliqué, parce qu'on a 11 km de montée, enfin 11,8 km même. Et regardez mon énergie, là, je suis quasiment à sec, déjà. C'est compliqué. Ça roule fort encore, là, ça continue de rouler encore et encore, ça ne s'arrête plus de rouler. Les gars, ils sont motivés. Ouais, on va essayer de ne pas se faire bloquer quand même. Encore 10 km à parcourir. Encore une attaque. Allez, puis ça attaque Peut-être une devant. Non, c'est échappée bon, ça n'arrête décisive. pas. Allez, on va ralentir un tout petit peu aussi. Non, ça roule fort encore. Là. Putain, les mecs, hey, calmez-vous. Là, il y a un score 10 bornes de montée. Hey! 10 bornes, les gars. Les échappés, ils sont pas dangereux au classement, quoi. Non, il n'y a pas de problème, les gars. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Allez, on active ça. Dommage que je ne puisse pas me l'activer à moi aussi. Mais bon. Ça, plus le gel. Allez, quoi. Allez, Tiche. Johan, attention à toi. Oui, Johan, Côté redouté par beaucoup de coureurs, les deux Allez, sont ça déjà ralentit un bien petit en peu là, avant. l'échappée juste devant. Hein. Enfin, juste devant. 1 minute 40 d'avance quand même. Il reste 8 km. Alors, il en est où, Carapace? Ah, mais il est dead aussi, hein, Carapace. Hein. Johan, arrête, s'il te plaît. Johan, mon amour. Johan. Non, mais il veut jouer avec mon cigare électronique. Johan, arrête. Quinquin. Ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts dans Eh, le Carapace, il peloton. est presque dead, hein. Donc au final, ça pourrait être sympa, tentant d'attaquer au bout d'un moment. Ouais. Carapace. On le surveille. Il y a 7 km encore de montée. L'échappée, 2 minutes 30 d'avance maintenant. Je suis à 35 secondes, hein, je vous rappelle quand même. Et il n'y a plus d'énergie non plus. Ah, je suis tenté là, parce que et Lopez n'a plus d'énergie non plus. Et je suis quand même le fait que je suis le meilleur au niveau de l'énergie. Attention, un leader est décroché. Encore 5 km à Et parcourir. bon, encore 5 bornes, hein, il faut pas que je me crame non plus. Voilà, ça attaque avec Nibali. Guggenhardt. Allez, ensuite attaque de Ça Guggenhardt. change tout près de l'arrivée maintenant. Non, c'est pas à moi de rouler encore une fois, hein, c'est au maillot jaune. Le Carapace, ouais, il a plus de jaune le Carapace. Concrètement, il a plus de jaune. Il a plus pouvoir attaquer normalement. Comme c'est bon moment, peut-être d'aller. Alors, je peux pas attaquer non plus, hein, mais. Non, je peux pas attaquer non plus. Je suis dead, là, je peux pas attaquer.
L'échappée va gagner devant. Ouais, quand même, tout le monde est dead là dans ce petit peloton. Je vais mettre mon gel moi maintenant. Même Benoît est toujours là pour me protéger. Merde. Qu'est-ce que je fais? Pardon, excusez-moi. Hop. On n'avance plus, là, plus personne n'avance. Thomas est là. Bah, toi, Thomas, il est encore en forme, Thomas, par contre, par exemple. Ouais. Carapace a récupéré un tout petit peu de C'est sur jaune. de tels pourcentages que Ouais. les plus costauds peuvent creuser un écart. Je suis toujours bien protégé par Tige Benoît, pardon. Oh, j'ai plus d'énergie du tout. Ah ouais, je suis dead là, je suis dead. Regarde Thomas, il a une 35. On va rouler à fond. Toi, puis on n'a plus d'énergie, toi plus personne n'a d'énergie là, donc on est tous dead. Maintenant, savoir, voilà, le temps qu'on va prendre avec Geraint Thomas. Derrière, ça ne reviendra Ligne d'arrivée tout probablement droit sa pas. descente, c'est l'emballage final. Allez, Il était dans c'est la Lucas course, Hamilton mais qui remporte il a raté l'étape. l'arrivée aujourd'hui. Quoi, on va faire deuxième. Donc des bonus, pardon. Mais derrière, malheureusement, ouais, ils sont là derrière. Ils sont juste là derrière, je crois. Ouais, non, ça ne suffira pas, je pense. Lucas Hamilton devant Kouamangus, Geraint Thomas, Angel Lopez, Carapace, Nibali, Fuglsang. Tige Benoot 9e, hein, bien joué à lui. Ah, ça ne suffira pas, je pense, hein, pour remporter ce Tour de Suisse. Bon, en plus, c'est pas fini, encore une étape après, et puis un contre-la-montre. Deuxième place en tout cas, mais étape très difficile, hein. Franchement, je suis surpris quand même. C'est le plat qu'il y a eu là pendant les 150 bornes, enfin je ne sais pas combien, peut-être pas 150, je sais pas moi, 120 bornes, je ne sais pas, qui a vraiment fait beaucoup de dégâts, notamment à Kouam. Et puis pas qu'à Kouam, vous l'avez vu, ils étaient tous un petit peu à la ramasse à la fin là. Bon, on va voir, écoutez. Puis il y aura un chrono final Décidément, après. les Hein. meilleurs moments et les points Donc, forts de la course qui retiendront probablement votre attention. victoire pour Hamilton, donc Lucas Hamilton, ça c'est Lucas, hein, son prénom je crois. C'est ça. Et au général, ah putain, 10 secondes. Ah là 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 là, 10 secondes. Médiocre, mais non, mais pas bref. Je vais arrêter de réagir. Mais il y a un contre-la-montre ici, de 28 km. Donc là, il ne va rien avoir, c'est sûr. 93 bandes seulement, putain, l'étape qui ne sert à rien. Et là, donc, ouais, 28 km de contre-la-montre. On verra. Allez, sur ce, je vous retrouve tout de suite. On se retrouve donc sur cette 9e et dernière étape du Tour de Suisse. Kouamangus, 2e, 10 secondes dans le Carapace. Et Carapace, je ne sais pas comment ce qu'il vaut au niveau du contre-la-montre. On verra. Richard Carapace, d'ailleurs, c'est un zoom sur lui. Difficile pour Carapace de conserver sa tunique dans cet exercice de contre-la-montre qui n'affectionne pas particulièrement. Ça ne sera pas simple. Nous verrons bien. Et derrière, nous avons quand même Miguel Ángel López. Hein. Faites attention. Qu'est-ce qu'il y a, mon Johan? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'encourages? Allez, et bon, on y va. C'est parti. Bientôt le départ. Le voici, le départ du contre-la-montre de ce Tour de Suisse. Dernière étape. Allez. Alors je ne sais pas du tout quel effort mettre. Ça c'est dommage, on n'a pas d'indication. On devrait avoir une indication par rapport à nos autres équipiers, de savoir combien on peut rouler tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? On devrait pouvoir dire, avoir des renseignements quoi. Est-ce qu'il faut rouler fort, pas fort? Est-ce que là, enfin, bref. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ouais, Carapace 69 contre la montre. Hein, donc moi 76 plus 1. Sur le plat, moi, je suis légèrement meilleur, mais bon, voilà quoi. C'est quoi ça? Non, on l'a pas, hein. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, bref. On va aller à 70, et c'est dans la côte qu'on va augmenter l'allure, pas ici, hein. Là, voilà. C'est dans ce passage-là qu'on va devoir vraiment faire le gros forcing, donc on va rester dans une allure assez soutenue, mais pas trop, dans cette première partie de contre-la-montre sur le plat. Quand je vois qu'on peut quand même augmenter un peu la vue, donc on va quand même augmenter un petit peu. Faudrait pas non plus que je sois trop lent tout de même. Ce qui m'intéresse, la victoire d'étape, bien sûr, je n'y compte même pas, mais voilà, faut voir par rapport aux autres hein, ce qu'ils vont faire.
Lopez 69 contre la montre, puis Carapaz surtout aussi, voilà, c'est surtout lui, hein. Allez, pour l'instant c'est Michał Kwiatkowski, leader provisoire de ce contre-la-montre. Irène, ça t'amuse? Ouais, ok, bah ça t'amuse alors tant mieux. Allez, 16 bornes de l'arrivée. On augmente encore un petit peu l'allure maintenant, après cette belle petite descente. Et sympa. Et sympa ce vélo. Alléluia. Allez, encore une partie de plat. Et enfin, il y aura la montée 20, et après 21, pendant 7 km, c'est la descente. Il va vraiment falloir que j'aille fort dans cette montée, je pense. Alors, pas trop fort non plus, pour pas non plus me griller trop. Voilà, pas non plus que je me grille trop. Et là, je vais revenir un tout petit peu l'allure. Histoire de pouvoir vraiment augmenter quoi. 47 secondes et lui il a 45 secondes derrière. Donc il a repris 2 secondes pour l'instant sur moi. Ça va être compliqué là quand même. Hein. Allez, maintenant là, c'est ici qu'on augmente. Allez, là. Je compte sur le fait que lui se soit trop donné sur le plat. Maintenant on verra bien. Allez, c'est parti. 2 km de montée encore. Il semblerait que Oingus, le merci de meilleur me temps a soutenir. été battu. Tao Gegenhardt, nouveau leader provisoire de ce contre-la-montre. Allez, ça monte fort là. Allez, c'est quand même du 8-9%. Hein. Ouh. Allez, on augmente encore l'allure. Oh, j'espère pas trop me cramer quand même là, mais bon. J'ai pas le choix, faut que j'y Rappelons que aille. le meilleur temps vient d'être atteint. Remco Evenepoel, nouveau temps. Allez, maintenant on réduit un peu l'allure dans la descente. C'est parti. Faut qu'on puisse finir, bien sûr, avec du temps, du verre. Hein. Je vois pas que ça sert, ça, franchement, je vois pas l'intérêt, vu qu'on peut pas l'utiliser. Donc pourquoi ils l'ont mis, Rappelons je sais sur pas. Radio Tour que le meilleur temps Geraint vient d'être atteint. Thomas, 38 minutes 06. Allez, quoi? 2 km encore. Allez, là, on finit à fond. Ah, troisième à 18 secondes. Et on attend de Carapace, attention, le verdict. Carapace, t'es où? Il arrive. Carapace, Carapace, Carapace. 1 minute 05 de retard. Yes! Victoire pour Geraint Thomas, mais victoire finale pourquoi? Moingus qui remporte ce Tour de Suisse. Yes. Classement par points. Non, meilleur grimpeur, quoi Moingus? Classement par points, c'est Carapace. Meilleur jeune, quoi Moingus? Et par équipe, c'est la Deceuninck. Victoire sur ce Tour de Suisse. Yes! Ça fait plaisir. Ah, mais je suis content. Ah, c'est clair. Voici donc le classement général, 37 secondes d'avance grâce au beau contre-la-montre bien géré, je trouve. Très bien géré même. Bon bah il va être content là. Ah bah voilà. Pro cycliste confirmé. Je passe niveau 18. Exceptionnelle performance. Parfait. Et je passe donc niveau 18. J'ai que un point de compétence, j'ai pas d'amélioration encore. Oh là 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 là. Et on va le mettre. Vous pouvez, non, vous pouvez de temps en temps prendre une position dynamique pour bénéficier de la gains intense sur des portions roulantes. Ouais. La fertilité, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça fonctionne, ça. Mais bon, supérieur, c'est quoi ça? Mais c'est 2 fois pendant la course. Ouais, non. Entraînement. Ouais. Plutôt entraînement, je pense. Ouais. Ouais, plutôt entraînement. Comme ça, moi, je fatigue moins. Voilà, victoire. Donc, c'est ce Tour de Suisse. Et pourquoi, Magus? Prochain rendez-vous, ce sera donc la Volta, je crois, non? Qu'est-ce qu'il y a Saint-Sébastien? Non, je pense pas. Ouais, donc ce sera la Vuelta, décidément. Il y aura un enchaînement là. Ouais. Ce sera donc la Vuelta qui se prend en plusieurs vidéos, bien sûr. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur le mode Pro Cycliste. Saison 3 qui se termine tout doucement. La saison 3, elle avance tout doucement. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Et rendez-vous sur la Vuelta. Tchuss.